maintenant. Je vais vous écorcher. Les disputes entre Madame Comstock et le prophète auraient pu réveiller un mort. Mais depuis ma couchette, je n'en distinguais jamais assez pour comprendre. Après une querelle retentissante, j'ai remarqué qu'elle avait manqué la prière du matin. Alors, je me suis glissée à l'étage pour voir comment elle allait. Et comme une idiote, j'ai traîné. Le premier jour où je suis entrée chez les Comstock, on m'a surnommée la petite de l'arrière-cuisine. Et le jour où je me suis enfuie, je suis devenu la déjà mieux. Et à le boulot, et à la vie. Ils me paient pour que je déteste la Vox Populi, et je prends leur argent. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal à prendre un verre avec les hommes de Fitzroy ? Je crois que j'ai dû boire un peu trop parce que j'ai perdu la clé du casier d'épreuve. C'est le serveur qui l'a. Si jamais ça se sait. D'argent. Attrapez, monsieur DeWitt. Tu pourrais m'ouvrir ça? Ok. Voilà. Les outils, les voilà. Rapportons-les à la Vox Populi, et on aura notre dirigeable. J'ai besoin de ton aide pour cette serrure. C'est prêt. Qui aide-t-on vraiment en fournissant des armes à la Vox Populi? Ça nous aide, nous. Daisy peut changer les choses, non? Améliorer la vie de ces pauvres gens. Oui. Je sais pas comment on va faire pour transporter tout ça jusqu'à la boutique. On aurait dû réfléchir un peu plus. Qu'est-ce que c'est ?
on dirait une faille vers une autre version de cette pièce. Une version sans aucun outil. Alors si les outils n'y sont pas... C'est qu'ils doivent être à la boutique. Booker, si nous entrons dans cette faille, je ne crois pas que nous pourrons en revenir. Êtes-vous sûr de vouloir traverser ? Vas-y. Bon, voilà le résultat. Allez, retournons voir l'armurier et finir notre marché. J'espère bien pouvoir filer d'ici en dirigeable et au plus vite. Booker, si la Vox Populi obtient ses armes, ce sera une véritable révolution populaire. Ces gens auront une vie meilleure. Ouais. Ces gens. Les choses peuvent changer et nous pouvons les aider. Mais je ne veux pas les aider, moi. Dès qu'on a notre dirigeable, on fiche le camp d'ici. Regardez cette affiche. Dans ce monde, vous êtes un héros. Je me souviens, j'ai mené la Vox, Slate et moi. On a brûlé l'antre des héros. Je sais plus. J'ai deux souvenirs en même temps. Revenez. Nous allons trouver Daisy Fitzroy. Et on partira d'ici sur la première dame. Allons-y. Booker Lewis a donné sa vie. C'est lui qui parlait avec la voix du peuple. Il est temps pour nous de défendre sa cause. L'heure est venue pour Pink de tomber. Allons à l'usine. Mettons les puissants à genoux.